Salut à tous et à toutes, on se retrouve sur Lego City Undercover ici. Donc voilà, c'est le jeu que j'avais dit, hein, il est marqué. Et on va un peu jouer, ça sera peut-être 10-20 minutes, hein, pas longtemps. C'est juste un peu pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Pour comme ça, mais normalement vous connaissez déjà, hein, puisque vous suivez sûrement des youtubeurs qui en ont parlé. Mais moi je partage pour le plaisir d'avoir le jeu. Après vous n'êtes pas obligé de regarder, c'est sûr. Mais j'ai envie de faire un peu gameplay avec vous parce que j'ai acheté exprès de l'équipement pour. C'est pas du truc tchadé comme EMB et tout ça, mais moi c'est juste pour le lol que je fais ça. Alors, je peux vous raconter. Hey, Jayce, il y a un problème. Ah, je me disais aussi que tout se passait étrangement bien. Quel est le problème? Nous avons des rapports contradictoires concernant le bâtiment sur lequel les voleurs se trouvent. Le chef a envoyé une patrouille à pied pour les localiser. Mais vous devriez pouvoir accélérer les choses. Essayez de monter sur le toit du fast-food que j'ai marqué sur votre carte. Après, j'utiliserai mon scanner pour repérer le bâtiment où ils sont, c'est ça? Exactement. Bonne chance, Chase. Ok. Donc, comme je disais, en fait, si vous voulez, j'ai eu un stud avec ce jeu. C'est que la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, la première mission où par exemple justement EMB avait fait, je me gratte, excusez-moi, EMB avait fait cette mission là justement pour montrer aux gens à quoi ressemble le jeu, donc il va se reconnaître si au cas où il voit la vidéo, mais ça n'arrivera pas. C'est la mission avec les clowns dans la banque. Eh ben, en fait, moi, j'ai eu un gros bug. J'étais en mode nomade, pas comme ici. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Bon, je vous explique du coup. Donc, j'ai eu un gros bug bizarre. C'est que le jeu, là, vous voyez, je bouge, ça fonctionne nickel. J'avance nickel, il n'y a aucun souci. Nickel, no problemo, comme on dit. Il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Pourquoi je peux pas monter? D'accord, ça a débloqué. No problemo quoi, il n'y a pas de problème, je peux... Tiens, j'ai une arme. Oh. Ah oui, d'accord. Donc no problemo en fait, j'avais pas de soucis, je pouvais jouer, il n'y avait pas de problème. Mais il s'est passé quelque chose. Tout simplement, c'est que en commençant la mission du clown, là, avec les clowns qui volent la banque, là, les clowns voleurs de banque, eh ben, je vais tout se faire normalement jusqu'à temps que j'arrive à la mission où il y a la cinématique qui se lance, où ils disent vous êtes en état d'arrestation au clown et tout ça, et t'as les clowns qui sortent de la banque avec genre fiesta, avec des paillettes d'artifice et tout ça. Et après ça, vous êtes direct mis dans une voiture de police en route. Eh ben moi, à chaque fois à ce moment-là, j'avais un gros problème, c'est que je pouvais pas tourner et la voiture continuait à avancer tout seul. Je pouvais rien faire. J'essayais de tourner à gauche ou à droite, rien ne répondait. Donc j'ai eu deux trois fois ça, j'arrivais pas à comprendre. Pourtant j'avais redémarré le jeu. Donc après un moment j'en ai eu marre. J'ai carrément. Pourtant, Joy-Con il répondait la plupart du temps. Hein. Après, il y a un moment, il répondait. Enfin, je sais pas, il y a un bug. Du coup, j'ai pu après ça, mais en bref, j'ai recommencé une partie carrément. J'ai redémarré ma Switch et j'ai recommencé une partie de retour. Et après, ça va, ça fonctionnait. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais voilà. Si au cas où vous avez le même problème que moi, faites ça. Peut-être que ça va régler les soucis, mais j'ai eu très très peur. Je me suis dit. Oh non, le jeu fonctionne pas, il est bloqué, il est cassé, il est mal codé. Pourquoi EMB n'a pas eu ça, lui? Je sais pas, c'est mes Joy-Con qui déconnent ou c'est parce que j'ai pas compris, ça reste un miracle, un mystère très très bizarre. En tout cas, c'était très étrange ce bug. Et très désagréable parce que j'ai eu très peur de me dire attends, mais il y a une arnaque là, pourquoi je peux pas là? Non, c'était juste un bug mineur de quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ça m'a vraiment énervé. Je suis fâché. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Ils sont comiques. Hein. Bah quoi? Tu veux qu'on se tire l'oreille avec des saucisses grillées?
pour tous. Oui, je fais le mode collectionnique aigu là. Je fais du récupérage. Non, mais sincèrement, vu que le prix que j'ai payé 20 euros seulement pour les deux jeux. Ce fast-food pour examiner les bâtiments à la recherche des voleurs. Va, mon petit, va. C'était vraiment presque. C'est trop cool. Trop cool. Donc, n'hésitez pas, hein, les gens, d'aller l'acheter le jeu. Il est à 18 euros en ce moment même, comme je l'ai dit. Et pareil pour Blazing Bits, le roguelike là, qui est à 2 euros au lieu de 15 euros. Vraiment, payer 18 euros au lieu de 60 euros pour Lego City Undercover et pour Blazing Bakes, payer uniquement 2 euros au lieu de 15 euros, je pense que ça vaut vraiment le coup si vous pouvez dépenser 20 euros dans deux jeux. Et c'est que, si ça vous dérange pas et que vous avez assez de place dans votre truc et que ça vous dérange pas de dématérialiser, allez-y, foncez, ça vaut le coup parce que ces jeux-là ont des durées d'heures ultra longues. Parce qu'un roguelike c'est toujours ultra long et c'est une sorte de Blazing Isaac machin, mais en version simple quoi. Version, c'est un peu à la Nuclear Throne et Blazing Isaac en fait. C'est un roguelike quoi. Donc voilà quoi. Sincèrement, allez-y quoi. Non, c'est pas ça. Non plus. Ah d'accord, ça se fait automatiquement. En prenant en compte que la qualité que moi j'offre est mieux que celle de ENB à l'époque. Maintenant il y a, une qualité impeccable, hein, mais à l'époque c'était du 720p ébouriffé qui offrait. C'était correct, hein, pour. Mais voilà, maintenant il y a une bonne qualité irréprochable, ça c'est sûr. Je vais faire quoi? Du coup, si je pense pas qu'il va pas très addictif. Hein. Hein. Viens, voyons voir où sont planqués ces voyous. Il est temps de faire tomber le crime dans l'abîme. Je ferais peut-être mieux d'éviter les répliques bidons. Lol. Où est Ellie, j'ai localisé les voleurs. Mais je vais plutôt escalader le bâtiment à côté du leur. Comme ça, je pourrais sauter sur eux depuis le toit et bénéficier d'un effet de surprise. Ou bien, si je rate mon saut, d'une semaine d'arrêt de travail. Profitez des bons petits plats de l'hôpital, Chase. Lol. Un peu comique. Aïe. Ah, c'est là. Ouf. Oui, il faut rien faire. Hein. Oui, je fais des trucs inutiles aussi. Et le jeu est beau graphiquement, il faut l'avouer. Comme EMB l'avait expliqué, il est magnifique ce jeu.
C'est dingue. What? J'avais un mur invisible. Vertige ou je ne sais quelle phobie ridicule. Buenos dias! Un perroquet espagnol! Drôle. Un perroquet espagnol. XPTDRDR. Je suis plus aussi souple qu'autrefois. Je crois que je vais m'évanouir. Pourvu qu'il y ait un passage pour atteindre non, ce c'est... bâtiment. Oui, bâtiment. C'est presque le mec, le genre, on s'en bat les couilles. Oh, ce pistolet grappin est génial. J'ai quand même un peu la nausée, là. Un peu comique, toi, un peu comique. Oups. Non, je suis connu, c'est pas mauvais. C'est ultra facile. Hein. Après, tu me dis que c'est pas du temps, c'est pour les gosses. Donc, Allez! De toute façon, ce mobilier était bien trop kitsch. Lol. Il y a un flic en dessous. Vite, fichez tous le camp. Je ne laisserai pas ces voleurs s'échapper. Un de moins. Aux autres maintenant. C'est quoi ça? Ouais, je pourrais récupérer. Tiens, il y en a des trucs. Hein. Oh. Excusez-moi si vous entendez des bruits, hein, c'est parce que j'ai des jeunes. Ah, ça m'a fait rien. Non, il n'y a rien à faire. Vérifier. D'accord, tu sais rien faire non plus là. Et là, tu vas aller où alors? Tu vas aller où? Explique-toi à tonton Jag. Non, je suis... Ah, peut-être là. Non, je suis tombé. Voilà. Oups. Bon, je crevais plusieurs fois, hein, si ça vous dérange pas.
Ouais, mais c'est infaisable en fait. C'est moi ou c'est infaisable? Non! Non! Ouh là, il y a un problème avec le jeu parce que c'est mal fait là. Comment tu veux que je fasse? Non, je sais pas. Pourquoi il ne saute pas? Non, ça marche pas ton balance-toi, ça marche pas du tout. Mais il saute même pas. Je vous jure, j'appuie, hein, mais il saute pas le type. Ah, ouais, j'ai rien compris. Quoi? Mais nique ta mère! Bah oui, c'est nul. Ouh, c'est mal codé. What the fuck, quoi. Attends, ils ont vraiment mis ça pour les enfants, mais c'est injouable. Regardez-moi, il y a un problème. Je sais rien faire. Ouais, bah, je sais pas, hein. Ouais, non, il n'y a pas assez d'élan là, hein, je suis désolé. Ouais, non, ça marche pas. Hein. Et je fais comment du coup? Parce que du coup, je suis complètement bloqué, on va rester une heure comme ça. Hein. Que moi, quand c'est comme ça, je reste des 10 000 ans. Hein. Ah, ben on va se quitter ici alors, je présume, puisque le jeu c'est de la merde. Bon, ne l'achetez pas, hein. Vous voyez, vous restez bloqué. Non, plus sérieusement, c'est un truc que j'ai mal compris. C'est souvent masse. Ah, bande de tricheurs! Il faut appuyer sur B, c'est de la triche! Ça n'existe pas! Voilà pourquoi ça marchait pas. Moi je joue dans la logique. Même pas que j'étais si bon gymnaste. Ouais, menteur, quoi, c'est scripté. Non, moi j'appuie sur A en fait, parce que c'est normalement là qu'il faut appuyer, mais non, il fallait appuyer sur B. Pour et vu que c'est un petit écran de 7 pouces là que j'utilise, oula, je vais y tomber. C'est pas facile. Bande d'enculé. Bon, alors si vous voulez, en tout cas c'est faisable, mais quand vous avez un bon écran quoi. Si vous êtes pauvre comme moi et que vous avez un écran de merde, abandonner tout achat. Acheter des WFB, c'est beaucoup plus rentable. De la secte Tchoum Tchoum Mania. Allez, un petit coup d'électricité. Ça fait du bien. Oh, encore. Encore. Tu vas mourir. Trop cool. Attention à moi. Ok, je repasse. Coucou. Je joue. Et vous? Non, je suis en bas de tes couilles. Et deux. Et voici le numéro 3. Il ne reste plus que leur chef. Non.
Non, personnellement, je sais que le jeu il est bien, hein, mais c'est parce que quand je rage intérieurement en tant que Wu.inc, je dis de la merde comme tout le monde. C'est juste que j'avais pas. Être un peu plus dur à attraper. Non. J'avais pas fait attention au message en dessous. Oula. Ah. Waouh, ça c'est du panorama. Oh. Grimper jusqu'ici. Je peux voir celui qui paraît être le chef de cette bande de voleurs. Debout, sur un des toits. Il semble faire un signe de la main à quelqu'un. Et toujours aucun signe de la police de... Il en faut plus que ça pour m'arrêter, monsieur. Ah, pourquoi ai-je ouvert mon clapet, moi? Attendez, je viens de voir un agent de police de Lego City se lancer à l'assaut. On dirait que la poursuite va se conclure par une arrestation. C'était Conrad Peters, en direct pour les infos de Canal K. Non mais, allez, abandonnez quoi! Je meurs. Au secours! Je vais pas tomber! J'ai une famille de poissons rouges! Attrape! Dis-moi pour qui tu travailles. George Fardar Bensonbury. Non, en vrai. Je peux pas le dire. Il me mettrait en pièces. D'accord. Je travaille pour Rex Fury. Rex, où est-il? Je sais pas, je le vois jamais, il me téléphone seulement. Alors qui le saurait? Attends, peut-être... Blue, il passe des trucs en fraude à la prison d'Albatros. Va le voir, me laisse pas tomber. Ah! Tu sembles très bien informé. C'est vrai, j'ai le bras long, hein? Non, plus vraiment. George Fartar Bensonbury. Eh, hey, ça faisait un bail, Dev. Bon, ben c'est ici qu'on va se quitter, hein. Vous avez vu à quoi ressemble le jeu un peu. C'est sympa. Je préfère jouer en nomade tout seul dans mon coin. C'est juste un petit gameplay pour vous le partager avec plaisir, bien sûr. Continue mon histoire, choisir. Bah, je peux faire que ça de toute façon, donc fous de ma gueule. C'est de bouger, hein, mais il n'y a rien qui se passe.
Bon, soit. De toute façon, je vais voir si je peux passer en mode libre ici pour pouvoir jouer de mon côté tout seul dans mon coin. Comme un ouh, c'est une solitude. Un ouh, coquin abandonné de la secte Tchoum Tchoum Mania. Quelle heure ? 16h. Sauvegarde, mon petit sauvegarde. Oui. Putain, ça en fait des sauvegardes. Ça y est ? Ah, c'est bon. C'est quoi le mode livre ? Hey, Chase ! Je viens de vous voir aux infos à la télé. Vous aviez l'air palichon. Alors, vous êtes sur une piste ? Oui, droit vers la prison d'Albatros. Oh. Savez-vous comment je peux m'y rendre ? Ouh, ça va pas plaire au chef. Pour lui, l'évasion de Rex est une affaire close. Et si le chef n'était pas mis au courant ? Je sais pas. Je vais lui demander. Non, attendez. Dites, y a-t-il moyen de se rendre là-bas sans que le chef l'apprenne ? Alors, y a effectivement un moyen pour ça. D'abord, vous prenez le ferry à l'embarcadère, derrière le commissariat. Et ensuite ? Vous n'en dites pas un mot au chef ! Merci, Franck. On se revoit plus tard. Ok, bonne chance. Et si vous appelez Ellie, dites-lui salut de ma part. Ouais, mais bon, d'accord, mais moi j'ai prévu d'arrêter là en fait. Est-ce qu'on peut passer en mode libre, ils ont dit ? Retourner au commissariat, continuer. Alors, on a aussi des cheat codes. Je sais pas à quoi ça sert. C'est trop bien, regardez tous ces cheat codes. Oh, je me demande qu'est-ce que c'est. Oh oui, plus de cheat codes. 100% terminé. Alors, vous pouvez être sûr que je vais débloquer parce que moi les cheat codes, j'aime ça. Alors avec briques rouges, j'en ai 4 que je peux débloquer. J'en ai 3 ici, c'est ça hein? Ouais. Ça y est, j'ai fini. J'ai 3 briques rouges. Il faudrait que j'en trouve encore une autre. Est-ce qu'il y a moyen d'en trouver une autre pour essayer de débloquer ça rapidement? Tu bugs. Ah, c'est bon, il débug. Ce jeu est trop bien. Non, mais ce jeu est fun. C'est pour ça qu'il vaut trop le coup si vous avez assez de place. Si vous avez 10 gigas d'espace, c'est 8,5 si j'ai compris. J'ai déjà oublié combien ça pesait. Ouais, c'est ça, 8,7 gigas. Si vous avez 10 gigas d'espace sur votre Switch et que vous voulez acheter un jeu... Enfin, en bref, que vous avez assez d'espace, quoi. Plus de 9 gigas, ben vous pouvez télécharger ce jeu. Enfin, techniquement, je dis peut-être 10, même 20 gigas parce qu'il faut quand même un peu pour les mises à jour et tout ça si vous avez vraiment rempli le truc. Mais vous voyez où je vais en venir, quoi. Donc, ouais, je vous recommande fortement, c'est clair. Ce jeu est vraiment fun. Pas de question. Pas de question. Je déconne. Je suis dans le Torrance Passage avec Benzel là. Quand il joue à Torrance Passage avec les plantes là. Le jeu est beau graphiquement et c'est ça qui est plaisant en fait, de se promener dans la ville et d'avoir autant de choses à visiter. Moi je suis un peu un flammeur dans ce genre de style de monde et c'est pour ça que ça me plaît énormément. Alors est-ce que le fait d'avoir ce jeu en démat, est-ce que c'est con ou pas? Non, ça va. Sincèrement, vu le prix qu'il est à 60 euros de base...
Et au pire, en promotion, peut-être à 40 ou 35 euros. Et encore, ça n'arrivera peut-être pas en matérialisé, je veux dire. Ben, sincèrement, je trouve que ça vaut le coup, en fait. Oh, arrêtez de faire rouge, je vous pousse à peine. Donc, sincèrement, ouais, je trouve que ça vaut vraiment trop le coup. Je n'arrive pas à croire qu'il y a aucun train aujourd'hui. Désolé, les trains ne circulent pas en ce moment. Il y a des travaux de maintenance sur les voies. Quelle voie? Il y a des travaux de maintenance pour sur les voies. Nous sommes désolés pour le moment. Nous appelons les WFB de la sec Tchoum Tchoum Mania pour nous aider. Ils sont très très tchoum tchoum. Ils m'ont tchoumé dessus. Je suis plein de morts. Bande de tchoum tchoum. Si si. C'est des WFB. C'est des WFB. Alors, tu voudrais bien sauter correctement. Non, je ne roule pas. Le service devrait avoir été rétabli. Salut. Ok, non, son. Je peux vous vendre un billet si vous le souhaitez, mais vous devrez marcher jusqu'à votre destination. C'est rigolo, j'avoue. Je peux vous vendre un billet si vous voulez. Mais vous devrez marcher jusqu'à votre destination. Donc, ce qui veut dire ta gueule, le te dingue. Ce qui veut dire que vous devrez vous faire chier. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes bien arrivé à la prison, Chase? Oh non, il va pas me faire chier quand même avec ça. Ça, c'est un truc qui est un peu casse-couille, c'est que le jeu, il te casse les couilles avec ça. Si j'ai pas envie d'aller maintenant dans la prison, j'y vais pas et puis c'est tout. Tu attendras. J'irai après, hein, y a pas le feu. On va se quitter ici hein, parce que je trouve pas de trucs comme prévu là. Je pensais peut-être en trouver facilement, mais apparemment non. Est-ce qu'il y en a là? On va aller là-bas et puis on va se quitter. Ah mais c'est justement la zone que je veux aller, tiens. Je fais pas exprès, hein, j'y fais pas attention. Voilà, c'est ici que moi je dois aller pour continuer l'aventure. Donc moi je vais continuer de mon côté tranquillou en nomade et tout ça comme d'hab. Et ici je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite vidéo sympathique vous a plu et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt. C'était Mister Wougou et surtout portez-vous bien.